trafic reprend dès le 30 juillet 1945. Les installations modernisées permettent aux avions de tout type d'atterrir, comme le Constellation. Alors le Constellation, c'est le plus beau de tous les quadrimoteurs qui ont été construits. Il est reconnu comme tel dans l'histoire de l'aviation. Et Genève a accueilli aussi le premier Constellation. Le guidage aérien est amélioré et le premier atterrissage de nuit à Cointrin a lieu le 20 mai 1946. Dans cette Europe qui se remet lentement de la guerre, seuls deux aéroports partagent ce privilège, Paris-Orly et Genève.